Zoé, alors c'est notre petit lapin qu'on retrouve à ce carnaval. Alors comment ça se passe? La pluie a pas trop perturbé? Alors on a raccourci le défilé du coup, mais on fait quand même. Moi je crie, il ne pleut pas, ce n'est qu'un sentiment. Mais tout se passe bien. Alors là, il y a des ateliers. Oui, on a du maquillage, du tir à l'arc, des jeux en bois que vous voyez là-bas, et une buvette. Et il y aura des initiations de danse après. Alors c'est prévu jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19h. Et avec des animations plutôt pour les enfants ou pas? Pour tout le monde, parce que les jeux en bois, ça marche sur tous les âges. Mais on a beaucoup du jeune public. On a beaucoup de 3 à 10 ans. Alors tout le monde a joué le jeu, il y a beaucoup de personnes déguisées? Oui, beaucoup de personnes déguisées. Pas tous ont respecté le thème, mais dans l'ensemble, ça va. Et il y aura les résultats du concours d'ici une demi-heure. C'est vrai que le thème, c'était la nature. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme déguisement? Alors, on a eu des lapins, beaucoup de lapins. On a eu des abeilles, on a eu des fleurs, on a eu des papillons, on a eu des gens avec des costumes recyclés. On a eu beaucoup d'animaux, des lions, des tigres. On a un cheval, on a un dragon. Enfin, on a de quoi faire. Il n'y a pas d'arbres? Non, il y a des fleurs. Il n'y a pas d'arbres. Il y a des fleurs et des poissons. Et des poissons. On a mangé 3 crêpes. C'est vrai? Ouais. Au Nutella? 2. Elles étaient extra. Mais c'était trop bonne. Au chocolat ou au sucre? À la confiture. La classe. Mais bon, je sais jamais où je vais alors. Eh bien, on va vous montrer le chemin. Vous êtes prête? Allez, bon, vous êtes suivez. Vous êtes quand même contente d'être là? Et vous êtes contente? Oui, oui, oui. Ah. Et oui, mais... Voilà.